Allô tout le monde, ici c'est Estelle Roy du Club de musique Mont-Tremblant. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour continuer avec la capsule numéro 3. La semaine passée, on avait vu nos accords la, mi, ré. On avait vu des sortes de rythmes. On va les mettre ensemble aujourd'hui et on va essayer de faire des chansons avec ça. Parce que oui, avec ces accords-là, on peut faire déjà plein de chansons. Donc on va essayer de mettre ça en contexte. Mais avant tout, on va s'échauffer un peu ensemble, donc on va essayer de se rappeler un peu ce qu'on a fait. Par exemple, l'accord de mi. Essayez de vous placer en mi. Comme ça. Puis vous voyez, j'ai réécrit les rythmes. Donc on va faire le rythme 1. Je sais, donc en fait, c'est que c'est 4 coups par en bas. En orange, je mets le mouvement que vous faites dans le vide, mais qu'on veut pas que vous faites sur les cordes. Donc en exemple, le numéro 1, c'est tout simplement 4 coups par en bas. Ça ressemblerait à ça ici. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle, dans le fond, que votre bras, le but, c'est qu'il bouge tout le temps pareil. C'est juste que des fois, on touche les cordes, on gratte vers le haut. Et d'autres fois, ben, on fait juste passer tout droit. Comme ça. Donc, on va y aller. On va faire le numéro 1, tout simplement. Donc, 4 coups par en bas en mi. On va faire 8 coups par en bas. Après, on va essayer d'aller vers l'accord de La. Donc, on essaye le A là, qui était nos trois doigts ensemble. On y va avec le Mi, 8 coups. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est beaucoup la mi. On va vraiment en faire beaucoup. On va donc se pratiquer à changer de un à l'autre. C'est tout le temps ça qui est un peu le truc que les gens trouvent difficile, là, c'est la transition d'un accord à l'autre. Mais si on regarde le mi et le la, il y a plein de trucs pour changer. 1, 2, 3... Si je me radote, ça se peut, là, prenez-le comme un ratel, OK? Donc, mi au la, c'est les doigts 2 et 3, ici, qui vont descendre pour mettre le premier doigt au-dessus. Donc, on peut les voir comme un groupe. Après, c'est le premier doigt qui doit vraiment se placer à la bonne place. Donc, mi, la. C'est bon de les faire aussi, tu sais, devant la télé, sans gratter la guitare, juste changer les doigts, là, c'est vraiment bien. Faut que ça devienne comme un réflexe naturel, là, tu sais. Pour qu'on puisse changer rapidement comme ça. On va continuer avec Mila. On va aller essayer le rythme 2, qui est en fait aussi simple que le 1, là. On va gratter en tout temps. Donc, on va faire bas, haut, bas, haut, tout le temps. On va y aller en mi. On va faire 8 temps. Donc, d'autres, en fait, 8 temps, c'est de faire 1 et 2 et 3 et 4 jusqu'à 8. Après, on va en la. Moi, je fais une mini pause, mais après ça, le but du cours, ça va être qu'éventuellement, il n'y ait plus de pause. On y va en mi. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et la, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On va en mi. 1 et 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La. Donc, voilà la maison, assurez-vous tout le temps que quand on compte le chiffre, là, 1, 2, 3, 4, que c'est vraiment le coup qui est vers le bas. Sinon, vous êtes inversé. Fait que c'est tout le temps 1, 2, 3, 4, puis et, c'est tout le temps vers le haut. Donc, 1, et.
comme ça. On va faire le numéro 3 qui est le mélange de ces deux-là. Donc 3, c'était tout le temps comme 1, 2 et. Donc c'est tout le temps comme down, down, up. Puis là, on répète ça tout le temps. Donc ça fait ça comme ça. Down, down, up, down, down, up, tout le temps, OK? On essaye ça toujours avec notre mi. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Down, down, up, down, down, up, down. Restez en mi. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. Remarquez comment le bras, là, il bouge pareil. Vous mettriez sur mute, puis vous ne sauriez pas que j'arrête des fois, que je passe par-dessus sans le toucher. Parfait? On va aller en La, 2, 3, 4. Le La, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. OK? On va faire ça, on va vraiment faire 8 temps par accord. Puis on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Fait qu'on va aller en mi. On va faire 1, 2 et 3, 4 et 2 fois. Puis on va aller en la après. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Change. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Sans pause. On va voir si on peut changer un accord à l'autre sans pause. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et la. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et mi. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Et là, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et stop! OK, ça va bien, c'est super! Le dernier qui nous reste à faire, ça va être notre beat rock, OK, qui est notre beat ici. C'est de faire un peu comme on vient de faire, pam, 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 mais au lieu de continuer comme ça, il va falloir qu'on fasse un coup dans le vide. J'en avais déjà parlé à la capsule 2. On va le faire vite, vite, par étapes, donc on fait 1, 2 et à 3, le bras passe tout droit. Fait que ça fait ça comme ça. 1, 2 et 3, le bras va en bas. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et par après, et 4 et, là on ne faut pas arrêter. OK? Donc ça ressemble à ça ici. 1, 2 et 3, et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et. Puis après ça, c'est d'être capable de comprendre c'est quoi fois 1. Puis après ça, est-ce qu'on peut en faire 2 de suite? 3, 4, 8 fois de suite. OK? On va y aller en mi. On va essayer d'en faire ensemble 2 pour l'instant. En mi. 3, 4. 1, 2 et 3. Et 4 et 1. 2 et 3. Et 4 et. Parfait, ça va bien. On en fait 4 de suite. En mi. 3, 4. 1, 2 et 3. Et 4 et 1. 2 et 3. Et 4 et 1. 2 et 3. Et 4 et 1. 2 et 3. Et 4 et. Bravo, c'est bon ça, OK? Donc là, l'idée, c'est de faire mi, la, mi, la. Après ça, je vais vous le mettre dans un contexte de chanson. Ça paraît pas, mais je suis en train de vous apprendre des chansons sans que vous le savez. Je vais vous montrer après
Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ce qu'on va faire pour se pratiquer un peu encore avant de faire la chanson ou les chansons, je devrais dire, on va faire mi, la, on va faire deux fois chaque en beat numéro 4 ici. Et il faut donc changer. Okay? Donc on essaie de faire deux beats rock en mi, deux beats rock en la. Okay? Encore une fois, on va faire une mini pause entre chaque accord pour se donner une chance. Mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Et 4 et 1, 2 et 3. Et 4, change la. 2 et 3. Et 4 et la. 2 et 3. Et 4, change mi. 2 et. Et 4 et 1, 2 et. Là. Ouais. Cool. Donc en fait, vous remarquez que moi, le E du 4, là, lui, là, je triche. Je lève le bras pour... en fait, je gratte les cordes, mais j'enlève mes doigts pour me préparer à faire l'autre accord. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, là. C'est de changer un peu plus tôt, sans que ça paraisse. Et 1, tu sais. Là, quand on va lentement, ça paraît un peu plus, mais quand on va vite, c'est ni vu ni connu. Fait que moi, je l'appelle tricher, mais en fait, on triche tous un petit peu rendu là, donc c'est bon. Regardez ce que ça fait quand on va un petit peu plus vite, là. Ça serait ça comme ça. Fait que ça donne une fraction de seconde de plus pour changer d'accord. Si ton rythme continue, là, les gens s'en rendront pas compte, on est sur le party, donc c'est parfait. Là, on va faire en premier le la, ensuite le mi. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va faire 4 la suivi de 4 mi, comme ça, en beat rock. OK? On y va comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va changer. Et 4 et mi. 2, 3, 4. Et 4 et la. C'est avec ça qu'on va faire la première chanson, je pense, qu'on apprend à la guitare, là, qui est le Achy Breaky Dance, ok? Regardez bien ce que ça fait, c'est tout simple, faut tout le temps faire 4 la, 4 mi, tout le temps, pour toujours, jusqu'à ce que vous soyez, jusqu'à ce que la chanson soit terminée, en fait, là. Donc on y va en la. Je vais vous chanter les paroles en même temps, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça fait, puis après ça, ben, c'est de la pratique. De le faire. Donc, en beat rock, je vais faire 4 la, 4 mi. On va le faire peut-être en deux fois de suite comme ça. Puis je vous montre avec les paroles. 1, 2, 3, 4. On va se pratiquer un peu avant. La chanson, ça se fait comme ça. Dans notre rencontre live, si ça vous tente, on va pouvoir le faire au complet pour voir si on est capable de garder là, le rythme tout le temps, mais donc c'est tout le temps comme ça. Et regardez comment c'est le fun. Avec ça, on peut faire aussi la chanson. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait
chanson « Je reviens chez nous ». Puis avec ça aussi, on va pouvoir faire « Agadou, dou, dou, pousse ma nana et mousse café. Agadou, dou, dou, pousse ma nana et mousse café. Tape la pomme, tape la poire, pousse ma nana et mousse café. Tape la pomme, tape la poire, pousse ma nana et mousse café. » Toujours en « la » et en « mi ». Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, là, ce que vous pouvez vous écrire, vous pouvez écrire, dans le fond, ben, on va l'essayer ensemble en live, en fait, là, mais on va le faire une fois, une après l'autre. Je vais vous les écrire, attendez un petit peu, je reviens. Bon, c'est parfait. Donc là, je l'ai mis plus proche pour être sûre que vous le voyez bien. Peut-être juste faire pause puis vous les écrire. On peut voir si la chanson « Je reviens chez nous », c'est avec le beat ici. Pam, 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 pam. Et là, ce que j'ai fait, ben là, je l'ai mis comme ça ici, mais vous pouvez vous écrire juste la fois 2, mi fois 4, la fois 1, et stop. Donc, en fait, fois 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux fois ce rythme-là ici. Donc, vous pouvez vous écrire ça comme ça. Ensuite, on va faire agadou. Je veux juste qu'on mette ça ici. Down, down, up. Puis après ça, on va mettre que ça, c'est la fois 3. Mi fois 4, la fois 1. Et après ça, on va wakey breaky dance. On revient au beat rock, qui est le même que le premier en haut. Et on fait la fois 4, mi fois 4. Là, vous avez remarqué que je vous ai séparé, dans le fond, ça, les trois petites chansons. On va faire comme un medley. Ça veut dire qu'on met comme plusieurs chansons ensemble pour faire une chanson. J'ai mis le beat rock au début et à la fin. Puis au milieu, j'en ai mis un différent. Fait que c'est juste pour... c'est pas pour vous mélanger, là. C'est juste pour vous mettre un peu au défi d'être capable de faire « Oh, c'est différent, on part, on est capable d'y aller tout de suite. » Je vais juste reculer mon tableau, puis après ça, on va essayer ça ensemble. Excellent! Donc, on y va avec « Je reviens chez nous » en beat rock. Comme ça, on y va en « la ». Comme ça. Donc, on va faire deux « la » en beat rock. 4 mi et un la. Puis stop. Ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire qu'on va faire un la et 4 stop. Puis moi, quand je fais des stops, ben, au fait, c'est de faire juste un coup par en bas. Voilà. Bon. Donc, si je le fais une fois, 2 la, 4 mi, 1 la plus stop. Ça ferait ça comme ça. 1, 2, donc, avec les paroles, fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Et gâte et stop. Agadou, dou, dou. Et là, agadou, on part avec le down, down, up, down. Down, up, down, down, up, down, ok? On va en faire agadou. Fait que c'est sur le dou qu'on part. On va faire trois fois la en down, down, up. Trois fois la, quatre mi, un la. C'est sûr que si on répéterait tout le temps, ça serait quatre la, quatre mi. Ça suivrait comme ça. Alors, agadou. Agadou, dou, dou. Pousse ta nana et boule café. Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. Et stop, ok? Super! Et le dernier, c'est Aki Breaky Dance. Là, faut revenir en beat rock pour faire 4 la, 4 mi tout le temps. 1, 2, 3, 4. Dansez avec moi le Aiki Burki Dance. Frappez des mains, allez, suivez le pas. C'est facile à danser,
sûr! Fait que là, on va tout enchaîner ça, ok? C'est comme notre défi du cours aujourd'hui. Je vous fais ça un après l'autre. Après, c'est à votre tour. On y va ensemble du début. Pétroc! Donc, je vais faire fait du feu, et c'est à feu qu'on commence. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Et quatre, et stop! Agadou, dou, dou, pousse la nana et boule café. Agadou. Ça va être votre défi de faire ça cette semaine. Essayez d'enchaîner ces trois chansons-là. L'ami, je pense qu'après ça, on va être vraiment les kings du l'ami. Là. Le ré, c'est vrai que je l'ai mis ici. On va le regarder plus à la prochaine capsule, à la capsule numéro 4. On va faire ré, on va faire des nouveaux accords aussi à la prochaine capsule et donc des nouvelles chansons. Donc, bonne pratique tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Prenez soin de vous à la capsule numéro 4. Bye bye!